كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به بل هم قوم ضاقون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين C'est avec un très fort enthousiasme, doublé d'une profonde reconnaissance, que les personnels de l'école militaire vous accueillent en ces lieux emblématiques, creusés de la formation du soldat pépinière du combattant et maison-mère des cadres sous-officiers des forces armées djiboutiennes. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la clôture d'un stage de certificat militaire élémentaire réalisé au profit de 147 stagiaires des forces armées djiboutiennes issus de tous les corps et formations, et ce, pour une durée de près de trois mois. Ce stage, le deuxième du genre en 2023, s'inscrit dans le cadre de la vaste politique de mise en formation initiée par le Haut Commandement militaire et prévue par la doctrine militaire 2021. L'objectif recherché étant de dissuader toute action hostile de quelque nature que ce soit contre notre territoire, nos populations, nos intérêts, si besoin, une réponse militaire crédible. D'ailleurs, le président de la Commission a pu apprécier physiquement le degré d'assimilation et des connaissances des stagiaires. Ils ont également fait preuve de caractère et d'endurance en composant ces tests finaux avec la forte chaleur que connaît notre pays, très contraignante pour les organismes. Et c'est tout à leur honneur. Je tiens autant à rendre hommage devant vous à tous mes cadres et militaires de rang qui ont œuvré comme à l'accoutumée pour la réussite de cette mission et les exhorte à poursuivre sur cette noble voie qui fait honneur aux forces armées djiboutiennes. Toutes ces actions ne sauraient être réalisées sans le soutien ô oh, combien important et indéfectible du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim, qui est particulièrement attaché au développement de l'école militaire.